Bonjour. Alors, bienvenue dans mes tests tricot. Je m'appelle Alexandra. Je suis Brigitte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Voilà, je me pose toujours la même question. Aujourd'hui, dans mes tests tricot, nous allons parler du gilet curcuma. C'est le premier qui est sorti il y a, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti ce petit gilet. Oui, ça commence bien. Oui, non, mais j'ai absolument rien préparé. Mon mari s'est barré, je devais aller avec lui et tout compte fait, je reste là. Et j'ai sauté sur l'occasion, en fait. voilà, donc j'ai rien préparé. Remarque, ça changera peut-être pas grand-chose, hein. Au mois de mars, début mars, je crois. Début mars, il est sorti. Donc, c'est le gilet curcuma de Marie-Amélie Design. De toute façon, je marquerai le petit mot là. Je vais vous mettre la petite vidéo où on me voit pavaner dans mon gilet. Ouais, super. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, vous avez vu. Nous allons pouvoir parler du patron. Donc, vous connaissez maintenant Marie-Amélie Design. C'est pas la première fois que je vous la présente. Puis, depuis le temps, vous devriez la connaître. Surtout si vous me suivez depuis un petit moment. Enfin bon. Voilà, donc c'est un test que j'ai fait pour Marie-Amélie Design et c'est un test qui a été fait en collaboration avec les laines de By Night, Nathalie. Donc c'est un. By Night, je vous mettrai en bas, en dessous, dans les petits plus, le lien pour aller retrouver sa boutique. Et après, je vous mettrai Marie-Amélie Design sur Ravelry, Marmelade sur Instagram. Et elle a un compte Patreon. Enfin, je vous mettrai tout en bas comme d'habitude. Hein. Vous pourrez cliquer, je vous mettrai les liens. Enfin, j'espère qu'ils marchent en fait, les liens que je vous mets en dessous la vidéo. Je vous ai jamais posé la. Marc, s'ils marchaient pas, je pense que vous me l'auriez dit. Si, si, si. Enfin bon, c'est un gilet. Donc, que vous. Je vous. Voilà, non, j'ai craché, j'ai remis, puis j'ai. Hein? Pour que ça sorte. Oui, il me fait ma petite vite fait 5 minutes là. Alors c'est un gilet. C'est un patron que l'on peut retrouver sur Ravelry. Il est à 8,16 €. Les tailles proposées sont pour les bustes finis. Donc ça va du 90 au 140. À vous de voir, mais elle préconise entre 7 et 17 cm de d'aisance positive. L'échantillon est de 26 mailles pour 34 ans. Et normalement, il se tricote en 3,5 pour le corps et 3 pour les côtes. J'ai mon coussin qui, excusez-moi, qui se barre. Donc, comme vous l'avez vu de moi, il est rouge. Je vous parle des laines d'abord. Oh, ça fait plus foncé que ça. Ouais, enfin, les laines. Les laines. Les laines, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai
je fais mes laines, moi. Ah, elles sont là. Alors, les laines, c'est les laines de By Nat dans sa base. Mince. Il est où? Il est où? Il est là. Oui, il s'était caché. Donc, les laines By Nat. Tu fais le petit... ah, voilà. Voilà. Alors, c'est dans sa base Supernova et la couleur, c'est Garance. 100% Mérinos, 100 grammes pour 400 mètres. Je vais me cacher. Voilà. C'est un superbe rouge. Moi, j'adore ce rouge. Il est magnifique. Il est plus... pas comment dire. Il est plus foncé. Un rouge plus foncé, moins clair que ça. Vous voyez un petit peu mieux comme ça là. Ouais. Ouais, c'est plus comme ça. Voilà. Et la couleur contrastante que j'ai prise, c'est de la Yarn Love. Voilà. C'est 4 plis high tweed. 80% mérino, 20% nylon et 365 mètres pour 100 grammes. Et c'est Autumn... Personne ne se moque. Autumn Leaves Spicule. Spicule. Vous savez pas, si vous avez le droit de vous moquer, je me suis moquée toute seule. Alors, là, voilà. Là. Donc, c'est celle-ci. Elle a, je l'ai pris parce qu'il me restait, j'en ai eu. Ça, c'est un reste. Hein. Il me restait 22 grammes. Je l'ai utilisé dans le châle, dans un châle. C'était... Ah. Un châle de... Je crois que c'était un châle de... C'était le Mystérical de... qu'avait fait Boutinette, il me semble. Il me semble. Si. Non, ça doit pas être celui-là. Si. C'était... Ah non, c'était pas... Si, c'était un Mystérical qu'avait fait Bountinette et c'était... un châle au paradis. Je vais vous montrer là. Ouais, je vous montre mes anciens trucs. C'était un châle au paradis. C'est la laine qui est au milieu, en fait. Là. Voilà. C'est la laine qui est au milieu. Donc voilà pour les laines. Alors, pour la couleur principale, j'ai utilisé, j'avais pris 4 chevaux de By Nat. Je les ai tous utilisés. Il me reste ça. Ouais, c'est un échantillon. Alors, j'aurais pu, mais j'avais pas assez pour faire les manches. J'avais pas assez pour faire la pâte de boutonnage. Donc, j'ai préféré le garder. Et puis, j'ai pris une couleur contrastante. Alors, j'ai pris celle-là parce qu'il y avait du rouge. Vous voyez le rouge, là? Il y a du rouge, là. Du rouge, du vert. J'adore cette laine. Elle est moins claire, hein. Ouais, elle est un peu plus... je sais pas comment dire ça. Le blanc est moins clair. On voit pas le vert, de toute façon. Il y a du vert, normalement, là. Ah, si, on en voit là. Là. Ouais, voilà. Ah, elle a un beau rouge, là, oui. C'est ça. Oui, excusez-moi, je regarde, parce que j'ai Sido qui est sorti, c'est mon noix. Et des fois, il tape à la porte. Enfin, bon, voilà. Donc, ça, je m'en suis servi. Pour faire la pâte de boutonnage, ici. Après, c'est un choix, hein, là. Et les côtes des manches. Voilà, je m'en suis servi pour ça. J'aurais pu faire raccourcir les manches et faire la pâte de boutonnage et tout. Mais moi, j'aime bien les gilets. Surtout à cette période-là. Moi, un gilet comme ça...
en figue de riz. Je vais y arriver en figurine. Je préfère les manches longues. En plus, c'est un. Je sais pas si je vous ai dit, mais c'est un fingering extrêmement épais, moi je trouve. Parce que là, vous avez. Je sais pas si on voit bien là mes affaires. Hein. Plus épais. Je sais pas, ouais. Il est un peu plus, il est plus épais que la fingering, que celle qui est à côté. Voilà. Donc moi je ne l'ai pas tricoté. Normalement, il se tricote en 3,5. Mais moi, pour avoir le bon échantillon, j'ai tricoté en 3,25. Parce que vu que la laine est un peu plus épaisse que la fingering, enfin celle qu'on tricote, quoi, hein, en ce moment. Et ben voilà quoi. Et il y a aussi un truc que je voulais vous prévenir. C'est vrai qu'en ce moment, on a l'habitude d'avoir des échevaux qui font un peu plus de 100 grammes. Donc, quand on a des échevaux qui ont un peu plus de 100 grammes, j'aurais pu faire, je pense, hein, j'aurais pu faire les côtes et les manches. Mais là, les échevaux font vraiment 100 grammes. Donc, faites attention quand vous prenez. C'est pas un. Comment dire? C'est pas un reproche. Voilà, c'est pas un reproche, c'est juste que il faut faire attention. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Donc, nous allons parler de ce superbe gilet. Alors, c'est un gilet. On commence par les côtes en haut, ici là. Alors, normalement, les côtes, je sais pas si vous avez vu, je vous le mets, mais le mien, il remonte, je sais pas si vous avez fait attention. Il remonte haut en fait. Il remonte haut. Il est très. Il est pas mal. Ouais. Hop. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, ici là. Évidemment, ça va pas le faire. Je vais vous descendre un petit peu. Voilà. Là. Vous voyez là? Il remonte haut. Chez les autres testeuses, ils sont un peu plus bas. Parce que quand j'ai fait mon montage de mailles pour le début, là, les côtes, eh bien, j'ai pas fait attention. Et j'ai pris des aiguilles 3,75 au lieu de prendre des aiguilles 3. Oui, bref, il fallait bien que je fasse une bêtise. Et comme j'ai commencé tard, parce que j'ai pas pu aller chercher les laines, Mylène, parce que j'étais coincée chez moi à cause de la neige, enfin, bon, je n'ai pas non plus. Ici. Je vais pas non plus, hein, il dit ça. Eh ben, j'ai pas voulu redéfaire quand je m'en suis aperçue parce que j'avais fini toutes mes côtes. Donc, si c'est pas grave. Alors, vous avez un, c'est pas un yoke. Si c'est un yoke, non, un yoke c'est de la bouffe, ma fille. Un yoke, si c'est ça, un yoke. Bon, c'est pas grave, vous avez compris, hein? Oui. Donc vous avez le yoke avec des torsades. Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup plus foncé que ça normalement. Voilà, vous avez un yoke avec des torsades et dans le diagramme, les augmentations du yoke se font avec les torsades. Donc c'est bien expliqué dans le diagramme, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc vous avez un yoke ici. Après, une fois que vous avez fait le yoke, vous avez une petite partie. Je fais pause. Oui, me revoilà, parce que, en ce moment, c'est une catastrophe. Donc, vous avez une partie raglan. Là. Oh, il y a un petit trou là. C'est là. C'est pas grave. Donc vous avez une partie raglan avant de séparer les manches du corps. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous tricotez en jersey jusqu'en bas. Voilà, c'est du jersey tout simple. C'est comme d'habitude, Marie-Amélie met les trucs les plus difficiles en haut et fait du jersey en bas. Voilà, et on finit par des côtes.
1-1, du coup, tout simple. Hein? Tout simple? Oui, je crois. Oui, tout simple. Là, une fois que vous avez fait ça, vous commencez vos manches. Alors, là, comme on peut voir, la torsade se continue sur la manche. Voilà. Ah, c'est beaucoup plus foncé que ça d'habitude. Hein. Enfin bon. La torsade se continue tout le long de la manche. Hein, ça fait comme ça. Voilà. On voit mieux là. Ça part de là et ça continue. Voilà. Vous faites votre petite avec les diminutions qu'il faut. Moi, je crois que j'ai fait toutes les diminutions, il me semble. Je vérifie, mais je crois que j'ai fait pour une fois toutes les diminutions. J'aurais peut-être dû. Ouais, j'ai fait toutes les diminutions. J'aurais peut-être dû faire quelques diminutions moins. Ça sert un poil serré, mais bon, c'est pas très grave en fait. Hein. Et après, vous faites les côtes. Vous faites des diminutions aussi ici, là. Et vous faites les côtes. Voilà. Une fois voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous relevez votre patte de boutonnage. C'est pas que c'est chiant, si j'aime pas trop, enfin, c'est pas chiant, mais c'est long en fait. Hein, enfin, surtout quand vous êtes si vous êtes plus grande que ça, donc. Vous relevez la patte de boutonnage et vous faites bien sûr la patte de boutonnage à gauche et à droite avec les petits boutons. Moi, j'ai mis des petits boutons. Hein. Il veut pas. Oui, non. Il veut pas. Il y a trop de lumière en fait. Hein. Ça lui plaît pas en fait. S'il y a beaucoup trop de lumière, ça lui plaît pas. Ben une fois que vous avez fait ça, vous avez fini. C'est bien. Donc moi, j'ai pas fait 38 cm de corps, j'en ai fait 35. Donc j'ai dit que j'avais utilisé les 4 échevaux. Hein, mais par contre, je ne vous ai pas dit combien j'avais utilisé pour la laine contrastante. Alors pour la laine contrastante, j'ai utilisé 22 grammes, ça fait 88 mètres. Bah oui, parce que c'est du 365 mètres par 100 grammes. Donc 88 mètres. Voilà. Donc c'est un chouette gilet. Hein, il est pas mal. Il est plutôt chouette. Il est. Bon, la complexité réside pour les torsades. Après, c'est très très bien expliqué comme d'habitude. Hein, je pense. Voilà. C'est très très bien expliqué. C'est limpide. Ouais, c'est limpide. Et les augmentations se font, bah, je vous l'ai dit, se font dans les torsades en haut, dans le yoke. Ça se fait assez bien. J'ai un nœud là. Ça se fait même très bien. Ouais. Je suis pas trop mal là. C'est encore un peu troqué, mais c'est pas trop mal. On voit bien les. Ouais. Alors qu'en vrai, on les voit pas tant. Si, ainsi quand même. Ainsi. Mais c'est moins flagrant en fait. Bon, de toute façon, la caméra, elle montre toujours tous les défauts. Ça montre toujours tous les défauts. Donc alors, je regarde. Je vous ai dit que je l'ai fait pour la taille 120, moi. J'ai fait la taille 120. Donc j'ai tricoté en 3,25 parce que c'est trop épais. J'ai pris du 3 pour les côtes. Bon, évidemment, sauf là-haut, c'est sûr. Voilà, donc vous saurez que si vous voulez quelque chose de plus resserré, et eh ben les 2,75, ça marche très bien. Voilà. Et voilà, donc j'ai utilisé les 4 échevaux de Bynack, donc ça me fait 1600 mètres et 88 mètres de fil contrastant. Ben voilà. Je crois que j'ai tout dit, je vous ai tout dit. Il y a combien de boutons en fait? Pour ma taille, hein. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boutons pour ma taille. Voilà.
À vous d'en rajouter plus ou moins suivant la taille que vous faites. Hein. Attention, c'est marqué dans le patron. Non, il veut plus. Ah si, il en a marre de voir ma tête. Donc voilà. Ben voilà. Je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, je vous mets tous les liens en bas pour retrouver le patron, la designeuse, les laines, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao!